The Honourable Member for Kirkfield Park. Monsieur le Président, c'est ce gouvernement qui a investi dans la première IRM, imagerie par résonance magnétique, à l'extérieur de Winnipeg, deux à Brandon et une à Boundary Trails. Monsieur le Président, c'est ce gouvernement qui a ajouté de tomodensitomètres à Brandon, Steinbach, Thompson, Le Pas, Selkirk, Morden-Winkler et Portage-la-Prairie. Monsieur le Président, c'est ce gouvernement qui a rénové ou a ajouté des nouveaux hôpitaux à Brandon, à Swan River, Thompson, Le Pas, Morden, Beausejour, Pinawa, Gimli, Winkler, St. Anne, Steinbach et de Shoal Lake, et un hôpital qui sera bientôt construit à Selkirk. En résumé, Monsieur le Président, c'est un gouvernement qui croit que tous les Manitobains ont le droit d'accès aux soins de santé modernes et en temps opportun. En prenant compte de ceci, je demande au ministre de la Santé pour une mise à jour des nouveaux investissements dans les soins de santé au milieu rural. The Honourable Minister for Health. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis très heureuse d'avoir été à Notre-Dame-de-Leu ce matin afin d'annoncer un nouvel hôpital de 10 lits, ce qui permettra d'améliorer davantage la qualité de soins de santé offerts aux patients de la région et de fournir un meilleur environnement de travail. En plus d'offrir des services pour les patients non hospitalisés, le nouveau établissement fournira des services d'urgence dans des installations modernes et un plus grand confort aux femmes pendant le travail à l'accouchement. Merci beaucoup.